Sinon, ouais, la nuit c'est chouette aussi, les endroits mystiques en fait, on va dire comme ça, comme ce vieux train, cette vieille locomotive. J'ai pas vécu avec mes parents. Si, jusqu'à l'âge de 2 ans, ma mère a été déchue des droits maternels. Elle était pauvre elle-même, elle devait se nourrir et pour nourrir, se nourrir et nourrir ses enfants. Elle devait aussi aller. Enfin, c'était même pas des vols graves, c'était aller dans les jardins marauder. Je trouve ça fou qu'on on enlève les enfants. Enfin, ouais, comme s'ils étaient irresponsables, quoi. Putain de système. Je me sentais moins seul en étant avec les gens à la rue que les gens que je fréquentais qui sont dans le monde plus ou moins normal. Enfin, ça c'était encore cool quoi. Il y avait des potes qui n'avaient que la guitare, on chantait, on jouait la gratte, les gens mettaient une pièce. C'était super, j'étais le roi du monde. Mais ça n'a rien à voir la rue avec non, la prostitution. Moi je te parle des gens, avec des familles, des gosses qui se retrouvent toi, à la rue. Toi tu parles de la rue sédentaire comme ça toi. Toi tu parles, et quand tu voyages tout le temps c'est différent. Ouais, mais toi tu parles de zonards quoi. Mais moi je te parle de gens qui sont dans la rue, qui n'ont pas le choix parce qu'ils se retrouvaient sans rien. Ouais, c'est différent, moi j'avais choisi. De notre âge à l'époque, ouais, je suis parti plus ou moins dans une situation comme j'avais maintenant. Mais moi aussi c'est pareil, c'était un choix quoi. À cause de vous, hein, j'étais élevé par vous alors. C'est parti. C'était une meute de loup. Très calme la nuit à Louvière en fait. J'ai toujours aimé la nuit, je sais pas, ça doit être de mes gènes, le fait d'aimer la nuit. La nuit et le jour ont des odeurs différentes en fait. Et ça c'est vraiment chouette. Quoi. Et ça on retrouve ça que si on marche seul la nuit dans la rue. Quoi. Plus le fleuve est large, plus l'autre rive est belle. Plus le fleuve est large, plus l'autre rive est belle. Il est interminable le chemin qui conduit à soi-même. Ouais, le long du canal, c'est super calme, c'est super. Tu risques pas de rencontrer une voiture, rien. Puis tu vois les êtres la nuit aussi, hein, faut pas croire. Il y a quand même
C'est pour ça que je trouve ça triste que le canal soit pollué, parce que en dehors de ça, il y a quand même, ouais, ça étouffe la faune et la flore, quoi. La faune, ouais, il y a quand même quelques petits animaux ici qui vivent à état sauvage. Il y en a de moins en moins, en fait. Il est en train de mourir si on le laisse polluer, mais en dehors de ça, il est toujours mystique, il a toujours, ça ressort quelque chose, surtout la nuit, en fait. Je pense que c'est important d'apprendre l'ailleurs de ce qu'on est. Non, c'est pas Jean-François, c'est Jeff.